Alors voilà la serre. J'avais acheté les arceaux il y a maintenant bien 6 ans au Game Vert. Ça m'avait coûté 300 euros. Après là, j'ai changé la bâche. J'ai préféré acheter de la 200 microns parce que Game Vert, ils vendaient la 150 microns, mais elle n'est pas tenue beaucoup. Alors je l'avais acheté chez Casado. Très content de la qualité. Alors moi, pour un système pour tenir la bâche contre le vent, on a mis un pieu dans du ciment. Et là, tout simple, hein, ces deux cordes qui sont de chaque côté attendent de chaque côté de l'arceau pour éviter que le vent l'emmène. Et là, j'ai mis des pierres pour ouvrir quand ça fait chaud l'été. Ça s'ouvre en fait de ce côté. Bon, de l'autre côté, j'ai dit, je vais pas en mettre. J'ai mis toute la terre pour, comme j'ouvre que d'un côté, plus cette porte là. Alors, on va aller voir dans la serre. Bon, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Là, c'est des feuilles de chêne. J'adore cette salade parce qu'elle naît tout seule. Tous les ans, on en retrouve, même si j'en ai pas semé cette année. C'est des graines qui ont 2-3 ans. Bon, allez, on va aller voir quand même si les tomates arrivent à pousser. Ah, bonne nouvelle. Les tomates sont en train de naître. On s'en a mis quand même 14 jours. J'ai regardé la température dans la mini-serre. Ouf, il fait que 7 degrés. Il faudrait un peu de soleil. Alors je vais essayer de faire d'autres semis dans la semaine. Enfin, normalement dimanche, vu que ça pleut. Là, j'ai prévu de re-arroser pour semer des carottes. Je vais peut-être commencer à semer les courgettes. Après, je vais semer la moitié des tomates. Cela, dans cette caisse, j'avais mis des Saint-Pierre et des marmandes. J'en avais mis une vingtaine, mais je vais monter à 80 pieds. Après, je vais peut-être semer des fleurs. On l'a vu le temps. Je voulais faire un tour du jardin avec vous, mais c'est encore la pluie. Je m'excuse. Ce sera peut-être une prochaine fois. Alors je vous remercie. À bientôt.